Bonjour, bonjour mes loves, j'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, moi, ça ne va pas du tout. Moi, ça ne va pas du tout. À l'heure où je vous parle, en fait, je viens à peine d'apprendre une nouvelle, en fait, qui me rend triste. Cette nouvelle me rend triste, mon Dieu. Bob Lee, je vous dis que Bob Lee, à l'heure où je vous parle, Bob Lee n'est plus dans ce monde. Bob Lee a perdu la vie. Bob Lee est décédé, mon Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça fait un moment, en fait, que Bob Lee est malade. Il devient, en fait, très, très silencieux sur les réseaux sociaux. Très, très silencieux. Bob Lee, qui avait l'habitude de faire des directs quand il y a un buzz, l'habitude de faire des directs quand il y avait un buzz. Bizarrement, à un moment donné, il y avait buzz. On ne voyait pas Bob Lee. On ne voyait pas Bob Lee. Pourtant, Bob Lee, je vous dis que petit truc, il faisait direct. Petit truc, Bob Lee faisait direct. Mais ça devenait inquiétant. C'est là, il y a les gens qui disaient qu'il était malade. Il avait même annoncé qu'il était malade. Et à un moment donné, Bob Lee est sorti de son silence. Il a fait deux directs. Je vous dis deux directs. Quand j'ai vu l'état de Bob Lee, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment malade. Mais à l'heure où je vous parle, Bob Lee a été retrouvé mort dans sa maison, dans sa cuisine même. Il paraît qu'il a fait 3 jours là, par terre. Il a fait 3 jours dans sa cuisine à terre. C'est les voisins qui trouvaient qu'il y avait une odeur très bizarre, qu'ils ont appelé le propriétaire. Il est venu. Et quand ils sont arrivés, c'est déjà trop tard. Bob Lee est décédé. Bob Lee est décédé, je vous dis, en laissant deux petits-enfants à bas âge. En laissant deux petits-enfants à bas âge, franchement, ça me touche. Ça me touche tellement, mon Dieu. Je suis choquée, en fait. C'est vrai qu'en fait, on est tous menés à mourir. Mais attends. Mais attends, il s'est passé quoi? C'est vrai que je comprends mieux maintenant qu'on dit on ne joue pas avec les esprits des morts, là. C'est pas faux. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas du tout morts. Je vous dis que les morts ne sont pas morts. Oui. Oui, on ne joue pas avec les esprits des morts. C'est vrai qu'en fait, Bob Lee, en fait, quand Love Gaga avait perdu son fils, il a été très, très fort. Il a été très, très, très fort, en fait, dans les propos. Et pareil pour la petite Dina, il a été très fort. Eh mon Dieu, je suis tellement choquée. Je suis tellement choquée. C'est incroyable en fait. Bob Lee meurt et en laissant deux petits-enfants, deux, je vous dis, à bas âge. Son premier fils n'a même pas encore 5 ans. Ah, oh, c'est triste. Je vous dis que c'est triste. Franchement, hein, je vous dis que pour ceux qui vont venir ici, ces fans-là, hein, ces fans qui font semblant d'aimer Bob Lee, qui pensent qu'ils aiment Bob Lee, là. Quand on vient vous dire quelque chose, c'est vous que vous élevez pour dire non, c'est faux, patati patata. Yaka de Paris. Yaka de Paris qui était l'ami, qui était le meilleur ami de Bob Lee. C'est lui-même qui vient dire ça. C'est lui-même qui vient dire ça. C'est lui-même qui a pris les nouvelles, malheureusement, de Bob Lee, qui n'est plus parmi nous. Qui n'est plus parmi nous. Donc, à un moment donné, là, quand vous savez rien, là, évitez de venir parler. C'est vraiment triste. C'est tellement triste, mon Dieu, que son âme repose en paix. C'est tellement triste, en fait, que Dieu console la maman de ses enfants. C'est triste.
Bob Lee n'a pas vu grandir ses enfants. Bob Lee n'a pas vu grandir ses enfants. Oh! Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi en fait? C'est quoi? En fait, ce qui arrive à Bob Lee, en fait, doit servir de leçon. C'est vrai qu'on est tous menés à partir un jour. Mais ce qu'on fait dans ce monde, hein, ça peut jouer. Ce qu'on fait sur cette terre peut jouer sur nos vies. Donc, je vous dis que ce qui arrive à Bob Lee doit servir de leçon aux blogueurs. On ne vient pas jouer avec l'esprit de mort sur des réseaux sociaux. Même dans la vie, même là. Pas seulement sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie, là, on ne vient pas jouer avec les esprits des morts. Les morts ne sont pas morts. C'est vrai qu'à un moment donné, qu'elle était malade, hein, quand il venait en fait faire son direct, il y en a qui auront voulu qu'il demande pardon aux personnes, aux parents des victimes en fait, de peu à son âme, Julien, peu à son âme, Dina, peu à son âme, ou même Arafat, parce que Bob a été très très fort dans certains propos quand il était malade. Il y en a qui ont voulu qu'il vienne demander pardon. Mais avec l'orgueil, il avait refusé de demander pardon à ses parents-là. Je vous dis que il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Malheureusement, à cause de lui, que ses enfants paieront en fait pour ce truc. Ses enfants vont payer en fait. Ils vont payer. Et ça me fait vraiment de la peine. Ça me touche en fait. Ça me fait de la peine en fait. Ça me fait grave de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Franchement, oui. Parce que Bob Lee, on voit très bien que c'est quelqu'un, par rapport à son âge et ses enfants, on voit qu'il a eu très tard ses enfants. Sûrement, il y a des personnes comme ça. Ils veulent avoir, en fait, ils veulent avoir tout avant d'avoir les enfants. Et lui, malheureusement, il a eu très tard ses enfants. Mais il n'a même pas pu profiter de ses enfants-là avant de quitter dans ce monde. Ses enfants-là n'ont même pas pu profiter de leur papa avant qu'il part. Ça me touche, en fait. En parlant, j'ai des frissons tellement que ça me touche. Ça me fait de la peine, en fait. Il y en a qui viendront dire, oui, on est tous menés à partir. Je sais, je ne dis pas le contraire. Oui. On va tous partir. On va tous partir. Mais franchement, ouais. Il y a des choses, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Si Bob Lee, malheureusement, qui n'est plus dans ce monde, avait été peut-être très sage. Il disait, avait été peut-être sage, pardon. Franchement, mais c'est triste. De toute façon, voilà. Franchement, mes Vicky Love, mes frères et sœurs, je sais pas, mais franchement, je vous dis qu'il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Hein. Il faut pas jouer avec les esprits des morts, il faut savoir ça. De là où vous êtes, on joue pas avec les esprits des morts. Les morts ne sont pas morts. Quand ils meurent là, hein, leur âme là, ça reste. Peut-être c'est le corps là, on va enterrer. Donc ne joue pas avec les esprits des morts. Donc voilà, je vais vous laisser écouter la vidéo de Yaka Yaka de Paris. Hein. Vous allez mieux comprendre en fait. Il y a Kayaka de Paris qui était le meilleur ami de Bob Lee qui dit les lourdes vérités là-bas. C'est la mort de Bob Lee. C'est triste. C'est tellement triste. Ça m'attriste tellement. Je me dis, mon Dieu. Vous revoyez ton téléphone, vous aimez trop ça. Quand vous n'avez pas une bonne connexion, vous. Jesse. Le pape de Genzeli, effectivement. J'ai tellement parlé à Bob Lee, vraiment. S'il m'avait écouté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai tellement parlé à Bob Lee en inbox. J'ai tellement parlé avec lui. Mais il croyait qu'il connaissait tout. Il croyait que lui, il était instruit que tout le monde. Et que lui, il avait la science, il détenait la science infuse, malheureusement. En tout cas, chef Ryan, pour t'asseoir, tu vas bien m'écouter. Et ça doit nous servir à tous de leçon, ce qui est en train d'arriver. Ça doit nous servir à tous. Nous tous, on doit prendre ça comme exemple. Et puis savoir une chose, c'est que il y a le game et puis il y a la réalité. Il ne faut pas qu'on confonde les deux. Il y a le game
et puis il y a la réalité. Il ne faut pas confondre le game et la réalité. Il y a certaines limites qu'on ne doit pas dépasser. Il y a certaines limites que personne d'entre nous ne devrait dépasser. J'ai parlé à Bob Lee jusqu'à fatiguer. Il a dit que j'étais la seule personne avec qui il ne ferait pas de clash. Donc rien que pour ça, je me devais de lui parler, mais en inbox. Je ne pouvais pas venir le clasher. Je n'ai jamais eu la motivation ni le courage de le clasher après avoir entendu ça. Il dit que je suis la seule personne qui ne clasherait pas sur les réseaux sociaux. Et vraiment, s'il m'avait écouté, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie là-bas. Je ne sais pas c'était quoi son quotidien. Je ne sais pas pourquoi il agissait comme ça. Je ne sais pas d'où il est venu pour en arriver là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas de limite. Il n'avait aucune limite. Et quand lui, il a envie de faire quelque chose, rien ni personne ne pouvait l'en empêcher. Parce que moi, je lui parlais en inbox. Quand je lui parlais, il me dit, j'ai compris. Et dès que je raccroche, dans les 5 minutes qui suivent, je reçois la notification comme quoi Bob Lee est en direct. Et il fait ce qu'il a à faire. Et après, il m'appelle pour dire, non, il fallait que je réponde. J'ai une image à protéger. J'ai une image à faire respecter. J'ai ci à faire, j'ai ça à faire. J'ai tout dit à Bob Lee. Et nous sommes sur les réseaux sociaux là. Nous sommes des êtres humains. Avant le game, nous sommes des êtres humains. Après le game, nous sommes des êtres humains. Il y a des choses à ne pas faire. Lorsqu'il a eu son clash, lors du décès de l'enfant de paix à son âme, l'enfant de du décès de Julien, paix à son âme, ce qu'il a eu à faire ne m'a pas fait plaisir du tout, du tout, du tout, du tout. Et je me suis pris la tête avec lui au téléphone. On s'est clashé au téléphone. Il m'a raccroché au nez. Je l'ai rappelé, il a répondu, je lui ai dit ce que je pensais. Et je lui ai raccroché au nez aussi. En tout cas, on s'est pris la tête. Lors du décès de la petite Dina, je ne parlais plus avec lui à ce moment. Parce que après ce qu'il avait fait lors du décès de Julien, je m'étais dissocié de lui en inbox. Je m'étais dissocié de lui. Je n'avais pas fait d'annonce pour le dire. Mais j'avais pris mes distances avec lui parce que je l'ai trouvé trop méchant, en fait. J'ai trouvé que ce qu'il faisait n'était pas juste, en fait. Je lui ai dit, écoute, on est dans un game, c'est vrai, mais quand quelqu'un perd un parent, voilà, ça arrête tout. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. J'ai parlé à Bob Lee. Je lui ai donné des conseils. Nous sommes des êtres humains, on est tous appelés à partir d'un moment à l'autre. C'est pour ça que depuis un moment, je me tue à faire la caravane de la paix. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui s'est insulté que moi sur Facebook, il n'y a pas. Mais c'est moi qui s'est insulté là. Je demande à ce qu'on soit unis. Je demande à ce que tous les blogueurs s'entendent pour qu'on puisse regarder dans la même direction, marcher dans la même direction. La caravane de la paix là, elle est faite pour ça. S'il y a la paix entre nous, il peut y avoir des incompréhensions, mais qu'on peut gérer dans le respect. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'était pour nous protéger nous-mêmes. Quand les gens arrivent à l'aéroport ici et puis on les arrête parce qu'ils ont, ils ont diffamé, parce qu'ils ont insulté, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, puis on est en symbiose. S'il y a une bonne cohésion entre nous, qu'on s'entend, qui va diffamer ce qui va faire quoi à qui? On ne va pas insulter. Donc, on va rentrer chez nous en paix. Vraiment, nous sommes aujourd'hui dimanche 25 juin. Et vraiment, j'ai la lourde tâche. Hein? Ce n'est pas avec plaisir que je fais ce live ce matin. J'ai la lourde tâche
les internautes de Bob Lee, ceux qui aimaient Bob Lee, ceux qui ont aimé Bob Lee. Voilà. J'ai le malheur de vous annoncer ce matin qu'il est décédé pour de vrai. Voilà. Son corps a été retrouvé chez lui à la maison. Il est décédé depuis quelques jours chez lui à la maison. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de lui, Jean, pour venir. Je ne vais pas m'amuser avec la mort de qui que ce soit. C'est quelqu'un que pour qui j'avais beaucoup d'estime. J'ai la lourde tâche de vous annoncer, malheureusement, son décès. Voilà. Bob Lee s'en est allé, malheureusement. Il ne sera plus jamais des nôtres. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Pardon? Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ah, ok, je te rappelle. C'est triste. Que le game nous mène à ça. C'est triste qu'on en soit arrivé là. Voilà ces deux petits garçons qui sont orphelins désormais parce que leur papa a refusé d'être sage. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui avec cette histoire de game. On est sorti complètement du game. On est allé dans un autre level. Et voilà. Malheureusement, ce que je suis obligé d'annoncer à nos internautes ce matin. Voilà. C'est malheureux, mais une chose est sûre, on ne joue pas avec les esprits des morts. Ça, il faut qu'on le sache tous. On ne joue pas avec les esprits des morts. Les morts ne sont pas morts. Quand quelqu'un décède, c'est un corps qui part. Mais son esprit va errer au moins pendant 40 jours autour de sa maison, autour de sa famille. Son esprit est là. Ce sont les prières et puis ces actes qu'il aura posés sur cette terre qui vont le conduire droit dans la maison de Dieu. Voilà. Donc quand quelqu'un est décédé et qu'on n'a même pas encore enterré et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, je veux bien comprendre que voilà, il se passe aussi ce que je suis en train d'annoncer. Il ne faut pas s'amuser avec les morts. Je ne dis pas que c'est à cause de ça que c'est arrivé, parce que chacun de nous a son destin. Chacun de nous est appelé à partir un jour. Peut-être que c'était par ce canal-là qu'il était censé partir. Ou bien même, il a abrégé sa longévité avec certains actes qu'il a pu commettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et c'est malheureux. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est triste. Mais Bob Lee est mort pour de vrai. Voilà. Bob Lee ne sera plus parmi nous. Bob Lee ne fera plus jamais de vidéo pour s'attaquer à qui que ce soit. Bob Lee ne sera plus jamais des nôtres. Donc, je ne sais pas s'il a des parents, parce que la police a sorti son corps de son appart et voilà, ils l'ont amené à la morgue et ils ne connaissent aucun parent de lui, malheureusement. Voilà. Le 11 dernier, c'était l'anniversaire de son deuxième garçon et la mère de l'enfant a été surprise de ne pas avoir de nouvelles de lui, alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Il ne s'amusait même pas avec ça. Voilà. Il ne s'amusait pas avec. Elle a été surprise. C'est-à-dire que si je veux bien voir depuis tout ce que les gens racontent gauche-droite, il n'y a rien qui est vrai. Depuis le 11, ou avant le 11 même, il est décédé dans son appartement et personne ne savait. Et comme il fait chaud en ce moment en Europe et aux États-Unis, c'est l'été et tout ça, donc la chaleur a fait que il y a eu plein de mouches, voilà, devant sur son palier, devant sa porte, avec les odeurs qui ont interpellé
hein, quand même pas mal de personnes qui ont demandé au propriétaire de l'appartement de venir quand même constater quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, quand le propriétaire est arrivé, qu'il a ouvert malheureusement la porte de Bobli, Bobli était couché, hein, inerte dans sa cuisine. Voilà. Voilà, il était parti, quoi, depuis quelques jours. Donc, ils ont appelé la police, appelé les pompiers. Donc, ils ont extrait le corps. Donc, on demande à trouver ses parents, savoir s'il y a lieu de rapatrier le corps ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si jamais hein, il a l'un de ses parents qui voit mon live, il peut rentrer en contact avec moi sur le numéro qui s'affiche sur ma page, c'est-à-dire en WhatsApp, sur le 00336 12 99 20 65. Je répète, 00 300 336 12 99 20 65. Bob Lee avait un seul ami aux États-Unis. Il avait un seul ami, un musulman. Voilà. J'ai eu même à parler avec ce musulman-là une fois. Parce que quand il est venu à Paris pour la télé-réalité, avant de repartir aux États-Unis, lui et moi, quand on est revenu du château, on a fait des courses et il cherchait à acheter des sandales pour son ami là-bas. On a été chercher les sandales ensemble et donc il a eu à appeler l'ami pour demander sa pointure. Voilà. Donc j'ai échangé avec l'ami